l'aspirateur et les rangs. Au milieu des décombres, Jekia n'a que son odorat pour retrouver une victime. Après des mois de travail, c'est la première sortie sur le lieu d'une catastrophe pour six chiens et leur maître ce soir. Un examen grandeur nature. À distance, des moniteurs donnent des consignes au maître. Après que le terrain a été sécurisé et éclairé par les bénévoles du THW, venus de Kalelar, les binômes se relaient. Ils travaillent pendant une demi-heure avant que le chien ne doive se reposer. Il faut aussi localiser la victime et marquer sa présence en aboyant.